Nos armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Ah bah c'est plutôt le général de la bêtise, hein, Vous n'êtes pas doué, général, franchement. Oh pardon, j'espère ne jamais vous recacher, étant donné que si je vous croise, mon lieutenant, je ne vous oublierai pas. Hein. Je vous ferai un petit rappel à l'ordre si jamais vous avez les mains sur la tête devant moi et mes hommes. Déjà il faudrait que je sois sur la chaîne, vraiment. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, monsieur, se cacher dans un buisson, il y a mieux comme technique, quoi. Eh oui, monsieur, mais comprenez-vous, quand on prend une herte qu'on est à 250 km/h. Ah, donc, ça y est, monsieur, avoue qu'il était à plus de 200. Pardon ? J'ai essayé de me faire discret, hein. J'ai cru que vous étiez en intervention, du coup, je me suis dit... Vous n'êtes pas 7 LM, monsieur. Ouais, monsieur, mais je sais que je ressemble pas à 7 LM. Fin de service du lieutenant-chef Biggie, tout à l'heure. Pardon, c'était sans trop... Bon, sinon, je reconnais que j'ai une arme rebelle sur le dos et un gilet pare-balles. Mais à mes souvenirs... Vous avez toute une amende à payer aussi, monsieur. Oui, 35 000 plus un truc comme l'arme, plus le plus association de malfaiteurs, plus plein de trucs, monsieur. En fait, c'est ça. Pourquoi association de malfaiteurs? Ah bah vous venez de dire que vous avez un gang, monsieur. On peut pas vous laisser repartir comme ça. En plus, il y a l'outrage à agent, monsieur. Ah ouais, outrage à agent. Non mais on va comprendre de suite. Bon, vous payez l'amende. Vous posez les armes et vous repartez tranquillement. Vous payez pas l'amende. On vous dépose les armes et vous partez en prison. Une dernière fois, je vous promets, je vais la payer. Je vous promets, je vais la payer. On a été chercher un bus en plus, spécialement pour vous. Finir de discuter. Un bus pour moi. Oh là là, bah, je la paye tout de suite. J'avais même pas pris, il y avait un bus. Donc, 35 000 dollars, je trouve ça un peu excessif. Mais si vous me baissez un peu le tarot, il n'y a pas de souci, je vous la paye cash. Ah, moi je pensais plutôt à l'augmenter. Vous en pensez quoi? Vous la payez, on vous saisit l'arme et vous partez en prison. Mais non, quand même, non, faut pas être excessif. Si je paye une amende, je vais pas finir en prison. Bah vous payez l'amende, qu'on vous donne et après on en reste là. Elle est payée cette amende, monsieur. Vous l'avez vu que je lui ai mis l'amende. La dernière est unique. Hein. Pourquoi je suis passé de 135 000 à 140 000 dollars? Outrage à agent, monsieur. Mais pourquoi j'outrage à un agent? Ouais, bah parce que là, si vous refusez encore, ça va augmenter. Ça va augmenter, hein. Ah pardon. C'est exponentiel. C'est comme une fonction affine, monsieur, en fait. Ça fait tellement c'est comme en mathématiques, la fonction affine. Ouais, mais d'accord. Allez, en bas à gauche, aussi. Ouais, bon, bref, je paye. Mais ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu ici, que moi, la dernière fois que je suis revenu ici, en fait... L'objectif c'était tout simplement de poser ses armes au sol. C'est quoi ça? C'est un bordel. Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit c'est Roy Arnaud, ça tombe bien. C'est la sécurité. Pour meurtre. Ouais, ah, c'est con. Des immigrés noirs qui viennent... Oui, il essaye encore une fois de nous corrompre. Voilà, le lieutenant. Ah, c'est pas grave. Il a déposé les armes, le monsieur? Oui. Mais par contre, son. En vous me l'embarquez dans le bus si vous voulez. On va y aller, ouais. Je conduis. Ah, monsieur, je suis désolé, mais je sais pas. Tu nous vois avec la Volvo derrière. Oh, c'est la première fois de ma vie que je vois dans un aussi beau véhicule de police. Alors, hop. Ça, j'en doute pas, monsieur. Stargoss, tu viens? Où va-t-on comme ça? J'en ai déjà les frissons. Dégagez de la zone. Vous êtes à 10 mètres. Vous êtes à 10 mètres de moi, monsieur. Comment ça se fait? Bon, monsieur, alors vous m'emmenez où, là, comme ça? Ah, bah, vous allez voir. Véhicule, vous êtes bogage, vous. Vous êtes plutôt bogage, hein. Eh, si je te paye, là, tu me relâches tout de suite. Vous me faites rire, monsieur, vous me faites rire. Peut-être que faut s'arranger, hein. Peut-être que vous avez une femme. Oh, pardon, peut-être que je peux vous prêter une femme. Ah là là. Avec votre cas, monsieur, ça va pas vous arranger, hein, si vous continuez à parler comme ça. Ah, monsieur. Un peu sur le fond de la rigolade, monsieur. J'aurais pu vous abattre et vous aurez fait au cimetière à ce temps-là. Puis j'aurais même pu faire le croque-mort pour vous. Enfin non, je vous aurais brûlé. Mais ça, c'est le feu.
Lève-le à l'endroit, monsieur. Pas trop, monsieur. Quand j'arrive à l'endroit de la torte, alors que bah, parlez de lui pour voir si. Vas-y, parle de lui. Chuck. Bon, monsieur, vous m'entendez? Monsieur, vous m'entendez? Chuck. Monsieur, ah, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Bah, c'est quoi les faits qui sont proches au... Ah, il sonne, ah, il sonne, vous inquiétez pas. Attends, viens attendez, juste au-dessus, ça va. Enfin, est-ce que je pourrais répondre, s'il vous plaît? Le téléphone est dans ma poche. Ah ouais, mais vous inquiétez pas. Eh, mais la Marseillaise. L'autre avec la Marseillaise, c'est tout. Tu sais qui c'est qui m'avait fait chanter le dernier coup? C'est lui, hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, ah, d'accord, ouais. C'est toi sur ta vidéo, là? Ouais, c'est moi, c'est lui. Vous pouvez pas faire ça, monsieur. De quoi? Pourquoi on pourrait pas? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quoi là? Le téléphone s'est arrêté de sonner, monsieur. Mais il me semble que là, vous me portez, vous me serrez un petit peu trop là. Attends, je veux bien mettre mes deux. Par contre, pouvez me décrocher là, les gars? Je suis un petit peu collé au monsieur. Eh, toi en bas là, ta bouche là, si je descends, je vais t'en mettre une. Ok, hein? J'arrive en bus ici, c'est super. On arrête ton escorte? Ouais, les gars, attends, j'arrive. Viens là, toi, je t'allume la tête. Par contre, on aurait dû démonter avant. Ah si, c'est vrai. Il va pas sortir vivant, lui. Viens là, que je te pète la coup de boule. C'est bon, on en a mis deux. Viens là, toi, viens là. C'est deux potes, là. Ah ouais, non, mais c'est deux potes, là. C'est deux potes, là. Allez-y, vas-y, tapez-vous dessus. Vas-y. Eh, monsieur, Hammer Skin, là, vous pouvez peut-être chanter une Marseillaise, non? Maintenant. Ah, moi je suis fier de ma patrie, moi. Tu vois ce que je vais te dire? Bah oui, allez-y, chantez, moi je vous reconnais, hein. Ouais, moi aussi je te reconnais, hein. Mais tu sais, t'es pas en position de force, toi, hein. Ah, au fait, pour un fou, c'est prison à perpétuité, là. Ah, tant que ça? Bon, vous êtes encore ça, quand même. Ah oui, là c'est perpétuité. Tu connais pas? On va pas pousser mes mains dans les orties, hein. On va pas pousser mes mains dans les orties, là. Donc là, vous allez me remonter là-dedans, hein, parce que, hein, Natacha, quand je te dis t'es détente, t'es détente, hein. On va pas s'entendre, je vais vous chanter la Marseillaise et on s'arrange. Allez-y, chantez, monsieur. Moi, je vous entends chanter. Combien de temps, Altis, là. Reviens, là. Comment il s'appelle, là? Attends, il va chanter, Nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. T'es là pour combien de temps, là? L'étendard sanglant. Bah, en fait, on m'a mis 25 minutes pour rien, donc je vous emmerde. Ah ouais, mais sinon, l'autre, il est là pour combien de temps? T'en as pour combien de temps pour qu'on te marque quoi? Ils deviennent jusqu'au bras. Demande à Alex pour combien de temps il a. C'est vos campagnes. Non, ne la laisse pas tomber. Elle est fragile. Elle est pas libérée. C'est pas si facile. Marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est pas le bon air, mais je m'en fous. C'est lent. Non, sinon, Alex, t'as l'air de mettre en prison. Des applaudissements, attendez, monsieur. Je vais quand même vous mettre la chanson préférée à Francky. Je parie que ça va être... Vas-y, Francky, c'est bon. Non, c'est mieux. Ça, c'est trop petit. Francky sera à la reconnaître. Francky sera à la reconnaître, j'imagine même pas. Ça vous intéresse de chanter tout en cœur. Moi, j'ai un peu peur. Bien... Bah, je connais même pas en plus ça. C'est quoi qui nous met? Bah, je connais pas du tout. Voilà, ça tire, il faut peut-être tirer en l'air, je crois. C'est 14 juillet, non? N'est-ce pas, mon lieutenant? Oh putain, c'est même pas 14 juillet, ça, c'est la date des... Tu te souviens pas de ce gentil refrain? Regarde, t'arrives. Oh, d'état du dugle. C'est les chansons picardes, c'est moi, c'est Marion, les gars, je suis désolé de vous dire ça. Ah, je la connais pas, moi, celle-là. Dans l'oignon. Viens de ce petit moment, là. Ok. Bah, moi, je connais pas du tout vos chansons, là. Ah, vous vous moquez de moi, quand même. Ah, non. Vous avez de l'humour, là, en prison, on empêche, hein. Viens là, toi. Hey, toi, là, je te parle avec ton casque et tes lunettes, là. Ouais, quoi, qu'est-ce que t'as?
C'est pour claquer un coup de boule là. Oh le taz. Moi je pique du champagne, ça va être bon au goulot. Laisse les faire. Ouais, ouais, d'accord. Donc j'espère qu'il mettra ça dans ton zap, hein. Ouais, t'inquiète. Eh, les officiers de police, là, ça racasse beaucoup sa petite bouche, là, je peux lui péter la bouche à lui ou pas, là? Ah, vas-y, fais-toi plaisir, ah, fais-toi plaisir, hein. Ah, bah t'as essayé, au moins, t'as essayé, au moins. Starghost? Starghost? Ouais. Tu me retiens. Sound muted. Puis ce matin, je le vois faire un petit peu de conneries, donc... Sound muted. Ça chatouille. Ah, bah, c'est un peu le but, hein. Mieux, d'un coup, là, on se sent mieux, là. Ah. Je vais me mettre là-dedans. Vas-y, viens là, si t'es un homme. Là. Oh, c'est bien. Ah, on a lui. Du coup, j'ai sorti un bus. Son... Bah, pour mettre un mec en prison. Mais bon, là, par contre, il a perpétuité, lui. C'est penché, t'as vu? Regarde derrière. Non, il... Bon, allez les enfants, je vous laisse. Bon, bisous, moi aussi. Bon, écoute, j'ai mal les avions que toi. Ah là, votre kamikaze les a trompés de cible, je crois. Hein. Arnaud, c'est le chef suppo? Arnaud? Bah, je sais pas, non. Il m'a pas dit que c'est... Non, c'est Zerman. C'est Zerman. Mais Arnaud, c'est pas Zerman? Non, non, moi Zerman, moi c'est le. Ah non, bah, le non, mais... réparateur. Si, moi, vous saviez qu'il y a des kamikazes dans notre tête, les gars? Kamikaze? Quoi? Regardez sur la carte. Et bizarrement, le kamikaze il s'est craché juste à côté. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Ah, le mec il s'est loupé. Ah bah, il est pas bon. Eh, vous kamikaze, monsieur, bon, c'est pas fort. Monsieur. Hein. C'est une patrouille. Ciao. Salut. Merci. C'était qui ce kamikaze? C'était Florent Derrick. Comment il s'appelle? Florent Derrick. Florent Derrick. Putain, Florent Derrick. Putain, attends. Alors, Florent Derrick. Attends, c'est une chimie. Putain, il faudrait que je trouve qui c'est Florent Derrick. Attends, je vais leur lâcher. Je vais leur lâcher un téléphone, attends, bouge pas. Mais moi, ils m'ont pas tout pris, ils m'ont jeté dans la prison. Ils m'ont rien pris du tout. Ils m'ont jeté. Ah oui, c'est vrai que j'ai. On y aura pris. Ah bah tiens, quand ils m'ont fait tomber dans la prison, ils m'ont tout laissé tomber, c'est con, il y a mon téléphone. Ah merde, le téléphone est resté là. Ouais, allô mon commandant là, ouais, ouais. Comment t'expliquer là? On a eu une petite... Ah c'est vrai, et il y a d'autres hammers là, je sais pas quoi, la team. Je sais pas. On aurait l'air con si on aurait d'autres qui se pointent par contre. Ouais. Bah le kamikaze, on l'a pas vu venir celui-là. Ah bon, c'est juste qu'il s'est pas piloté quand même. Ah ouais, mais bon, par contre, on avait le lampadaire qui nous aurait protégé quand même. Ouais, on aurait pu se prendre une carcasse. Les conneries qu'on fait tout à l'heure. Ouais, ouais. Bah, c'est pas méchant, mais bon. Il nous a pas dit que c'était le général, Ed Petit, là. C'est sûr. Pourquoi il appelle son commandant alors si c'est pas le chef? Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi, là-haut, là? Mais, tu sais, mec, c'est pas comme chez vous. Tu vas parler autrement? Voilà. Je pense que ça t'aura calmé. Ah, je pense qu'il a un problème, cardiaque, le cardiaque, monsieur. Le monsieur. Bah, faut pas qu'il meure, hein. À l'hôpital, non, l'hôpital, non. On sort oui. Comment aussi? Venez, je vais le chercher, vous venez me chercher en hélico. Oui, on l'amène à l'hôpital, vas-y. Vas-y, je descends. Vas-y. Ouais, mais le problème, il faut un hélico. Non, un hélico. Tu peux pas remonter, ouais. Là. Ouais, va chercher un hélico. Attends, est-ce que... Ouais, en fait... Fais vite, ouais, tu peux, t'as le temps d'aller chercher un hélico. Prends la voiture, ouais. On n'est pas tous des esclaves. Vas-y, Golf. Golf. Golf, il est là ou pas? C'est pas mon supérieur, on est à... À la même hauteur, si tu préfères, tu vois. Tiens, Golf, va chercher un hélico. On va le faire évader. Et moi? Allez, ouais, go. Dépêche-toi. Essaye de t'infiltrer dans l'hélicoptère avec moi. On va le laisser s'infiltrer dans l'hélico. Ouais, 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 on le laisse monter. Ouais, oui, on va vous amener, ouais, à l'hôpital, monsieur. Vous avez un problème cardiaque. Florent Derrick, encore une fois. Il va le faire.
à côté. Bah, je sais pas où il est tombé, mais il est tombé, mais il a encore loupé, on commence encore une fois. Oh là là, c'est un mauvais terroriste celui-là. Hein. Ah bah celui-là, moi, ah bah, si celui-là, je suis Daesh, j'embauche pas. J'embauche pas. Ah franchement, les bidons, les bidons. Il faudrait oublier. On les choisit pas. On est des vrais terroristes, hein, parce que... les terroristes avec leurs deux hélicos avec un con là, moi si tu veux je demande à deux snipers, ils viennent là, ils se postent et boum bam boum. Oh non 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 mais là, les bidons, les bidons. Il est tombé où? Juste derrière la prison. Derrière, il s'est pris la douane. Il est tombé là, mais il a rebondi en fait. Ah, il a rebondi? Oui, il a rebondi, mais il a pas explosé tout de suite. Voilà monsieur, là, votre ticket de sortie. Ah, par contre, récupère-nous avant. Ouais. Ouais, tu nous récupères. Allez-y, montez, monsieur. Hein, c'est là qu'il doit aller, à l'hôpital. Vas-y. Vas-y, fais rouiller les couverts. Non, c'est moi, l'autre, il m'a vu, mais bon, je suis chaud, on t'a pas vu. Non, mais en plus, c'est le pire, c'est qu'il s'est banni de prison. On va lui remettre. Enfin, on n'aura pas le temps, mais c'est pas grave. Mais je le pose au comico et vous le refoutez. Non, vas-y au l'hôpital. Bon, vous l'amenez, vous le soignez, et après on part. Ouais, on reste pas super longtemps. Et on tase l'autre aussi, hein. Voilà. T'es prêt à taser, hein? Moi, je sors. Je vous laisse descendre avant. Ouais, je descends. Ouais, ouais, je descends aussi. Je prends le tase. Ah, mais j'ai pas de taser, mais j'ai pas de chargeur. Attends. Il prend l'hélico. Oh putain, rip. Dommage. Sortez-le du... Il est mort? Ah bah oui, il l'a battu. Oh putain, c'est quoi le bus là? C'est pas notre bus. Non, Studio, qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est quoi le bus là? C'est pas notre bus. Ah non, c'est notre... C'est Florent Derrick encore. Ça c'est notre terroriste. C'est terroriste. C'est le terroriste, il est foireux. Vas-y, sors le véhicule. Allez, reviens. Je l'ai mal à la maison. Vas-y, cours pas. On bouge pas. On peut partir, ok. Sors ton cœur. Alors, il est où, Altis? Putain de terroriste là. C'est Arnaud, hein. Ouais. C'est toi Arnaud? Ouais. Ouais, c'était toi qui étais dans l'hélico qui a essayé. Je l'emmène où, Franck? Je sais pas, ah putain, on a bien rigolé. Bon, attends, fous-le dans la pièce, on va lui lancer une flash dans la gueule. Bon, ok, à plus les gars. À plus, bon, c'était bien marrant. Ouais. T'as pas perdu ta licence au fait? Non, j'avais déjà perdu à cause d'un flic qui a son taser à bugger. D'ailleurs, et d'ailleurs, au sujet de ça, je voulais voir un modèle. Bougez pas, monsieur, bougez pas, on va vous soigner. Sound muted. Toi, je te retiens, toi, tu t'en fais deux fois que tu me cognes la tête dans la porte, là, c'est pas parce que t'es un putain de nain de jardin qu'ils font cogner la tête dans chaque palier de porte. Monsieur, vous pouvez me décoller de cet homme? Décoller, je t'en collerai la tête, moi, putain. Heureusement qu'ils m'attendent pas. Bon, je vous explique comment ça va se passer, monsieur. Vous allez voir tout blanc, et puis vous êtes guéri, monsieur. Attendez, monsieur, je vais balancer une petite... Voilà. Bonne soirée. C'est bon? Ça vous soigne? Attendez, il reste encore deux piqûres, il reste deux piqûres là. Quand je vais t'attraper, je vais vraiment te soigner. Il reste encore une piqûre. Oh là, il se barre avec l'hélico, putain. Il s'est barré avec nos hélicos, le salaud. Putain, on l'a oublié ce con.
Ah c'est magnifique. On s'est fait voler notre hélico, j'ai fumé les gars. Non. Monsieur, vous allez mieux? Ah je pense que c'est... Il est parti pour une exécution, le monsieur. Non, il repasse l'hélico. Non, il repasse. Putain, le bazar. Il est où? Il repasse, hein, c'est lui. Il arrive en face de nous, là. Oh putain. Ah bah il est pas bon. Il est toujours pas bon, lui. Il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon, celui-là. Ah ouais, non, rien de rien. Votre collègue, il est vraiment pas bon à rien. Rien du tout. Moi, à mon avis, niveau kamikaze, vous faudrait changer. Faudrait mettre une bombe. Tu appuies sur le bouton parce qu'il est plus bon. C'est quoi ce mec? On voit notre hélico, non? Ouais, toi, là, il se pose là-bas, il se pose. Ah, si, ça, oui. Vas-y, on détache. Non, pour le reboot. Entre nous, hein, on va faire ça comme ça, c'est bien. Entre nous, on va faire ça comme ça, clair. C'est détendu ensemble. Parce qu'il n'y a personne qui nous voit, c'est sympa. Mais bon. Dans d'autres situations, on fait pas comme ça, d'accord. On a rigolé ensemble. Ok, t'as compris. Voilà. Bon, maintenant tu peux mourir. Ok, parfait. Non, on va pas lui faire parler de licence quand même. Ouais, enfoiré. Non, c'est bon. C'est une petite vengeance personnelle, en fait. Un moment de détente, il y a personne d'autre. Il y a que nous, c'est parfait. Ouais, vengeance personnelle. Fais ta pub, Franck. Toi, tu m'as laminé une fois. T'inquiète pas, tu vas passer sur YouTube. Good.